voyez en haut à droite, il y a un menu. Vous ne l'avez peut-être jamais vu, parce que si on n'a pas l'habitude, il y a Link PCVR et il y a MetaQuest. MetaQuest, c'est l'autonome. Link PCVR, c'est PC. Link PCVR, donc c'est là, quand il y a du cross-buy, c'est ici que vous allez aller, pas Steam. Steam, il n'y a pas de cross-buy avec. Quand vous voyez du cross-buy, c'est jamais Steam, Meta. C'est toujours soit ce store-là, PC. Là, c'est le store PC de Meta. Simplement, vous changez ici, là. Ici, là, en haut. Ilidi. Allez voir. Vous n'avez peut-être pas remarqué. Et là, c'est les jeux PC. Et ils sont pas tous en cross-buy. C'est-à-dire, quand vous l'achetez sur Quest, vous l'avez peut-être en PC parfois. Et s'il est cross-buy, s'il n'est pas cross-buy, voilà. Il y a des jeux qui sont que autonomes, des jeux qui sont que PC. Et il y a des jeux qui sont pas qui sont sur les deux mais qui sont pas cross-buy. C'est-à-dire qu'il faut les acheter séparément. Le cross-buy, ça veut dire que quand vous en a, vous achetez le jeu autonome, méta autonome, vous l'avez en PC aussi ici, pas sur Steam. Même s'il existe sur Steam, ça n'a rien à voir. Vous aurez jamais de cross-buy avec Steam et avec Meta. En tout cas, si un jour ils font un accord plus tard, mais en tout cas aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors n'hésitez pas des fois à aller voir là, parce que vous avez des jeux cross-buy que vous avez sur PC. Ça se trouve, vous l'avez acheté sur Steam et vous l'avez là déjà. Donc théoriquement, de ce que j'ai entendu, Metro le sera. Donc si vous achetez Metro sur Quest, vous l'aurez en Meta PC. Donc pas besoin de l'acheter sur Steam, c'est le même. Mais ça sera tourné, il faudra le lancer via Meta. Donc surveillez ça quand même. Avant, faites la recherche avant de peut-être éventuellement vous dire tiens je veux acheter la version PC j'ai la version autonome et je veux la version PC. Regardez s'il n'est pas cross-buy et regardez sur le store ici, pas sur Steam. Voilà, mais ça c'est le piège, je le dis encore d'hier, avant-hier, je sais que c'est pas clair, c'est le cross-buy, on pense PC, on pense Steam et c'est pas forcément... Donc n'hésitez pas à l'explorer, vous l'avez hein, quand vous êtes sur le store ici, vous avez Quest et PCVR. Link PCVR, MetaQuest, c'est deux stores qui sont liés quand même sur certains points. Mais c'est deux stores séparés. Donc ici, quand je suis sur Link PCVR, tout ce que vous voyez ici, c'est des jeux PC. Mais via le store Meta. Et donc, il y a des jeux que vous allez avoir ici qui ne sont pas sur autonome et inversement. Et certains qui sont donc en cross-buy. Vous avez sur les deux, quand vous achetez avec le même prix, vous avez les deux. C'est pas quelque chose où ils communiquent beaucoup et malheureusement, c'est dommage parce que c'est un très bon argument. Donc là, je reviens sur le store classique, autonome. Là, c'est l'autonome. Et regardez ici. Voilà, je le remontre ici, en haut. Link PCVR, donc ça voilà, et le cross-buy ça se passe toujours là, jamais avec Steam. Je le redirai parce que je sais qu'on va me reposer la question.